Rien ne s'oppose à la nuit, Delphine de Vigan, aux éditions Lattès, par Mademoiselle Pietra Galla. Ma mère était bleue, d'un bleu pâle mêlé de cendres, les mains étrangement plus foncées que le visage. Quand je l'ai trouvée chez elle, ce matin de janvier, les mains comme tachées d'encre aux plis des phalanges, ma mère était morte depuis plusieurs jours. J'ignore combien de secondes, voire de minutes, il me fallut pour le comprendre. Malgré l'évidence de la situation, ma mère était allongée sur son lit et ne répondait à aucune sollicitation. Un temps très long, maladroit et fébrile, jusqu'au cri qui est sorti de mes poumons, comme après plusieurs minutes d'apnée. Encore aujourd'hui, plus de 2 ans après, cela reste pour moi un mystère. Par quel mécanisme mon cerveau a-t-il pu tenir si loin de lui la perception du corps de ma mère et surtout de son odeur? Comment a-t-il pu mettre tant de temps à accepter l'information qui gisait devant lui? Ce n'est pas la seule interrogation que sa mort m'a laissée. Un soir de ce même hiver, alors que nous rentrions d'un rendez-vous chez le dentiste et marchions côte à côte sur le trottoir étroit de la rue de la Folie-Méricourt, mon fils m'a demandé sans préavis et sans que rien dans la conversation qui avait précédé n'ait pu l'amener à cette question. « Grand-mère, elle s'est suicidée en quelque sorte. Je ne sais plus quand est venue l'idée d'écrire sur ma mère, autour d'elle ou à partir d'elle. Je sais combien j'ai refusé cette idée. Je l'ai tenue à distance le plus longtemps possible, dressant la liste des innombrables auteurs qui avaient écrit sur la leur, des plus anciens aux plus récents, histoire de me prouver combien le terrain était miné et le sujet galvaudé. J'ai chassé les phrases qui me venaient au petit matin ou au détour d'un souvenir, autant de débuts de romans sous toutes les formes possibles dont je ne voulais pas entendre le premier mot. J'ai établi la liste des obstacles qui ne manqueraient pas de se présenter à moi et des risques non mesurables que j'encourais à entreprendre un tel chantier. » L'homme que j'aime, dont l'amour se heurte parfois à mes absences, s'est inquiété, il y a quelque temps, de me voir entreprendre ce travail. C'est ainsi, en tout cas, que j'ai interprété sa question, posée avec une certaine prudence. Avais-je besoin d'écrire ça? Ce à quoi, sans hésitation, j'ai répondu que non. J'avais besoin d'écrire et ne pouvais rien écrire d'autre, rien d'autre que ça. La nuance était de taille. Ainsi en avait-il toujours été de mes livres, qui au fond s'imposaient d'eux-mêmes, pour des raisons obscures qu'il m'est arrivé de découvrir longtemps après que le texte eût été terminé. À ceux qui redoutaient les dangers que pouvait représenter pour moi un tel chantier si peu de temps après la mort de ma mère, je répondais avec assurance que non, pas du tout.
Mais enfin, pensez-vous, je sais aujourd'hui, alors que je ne suis même pas encore à la moitié du vaste chantier dans lequel je me suis empêtrée, j'ai failli écrire du vaste merdier dans lequel je me suis foutue, combien j'ai présumé de mes forces. Je sais aujourd'hui l'état de tension particulier dans lequel me plonge cette écriture. Combien celle-ci me questionne, me perturbe, m'épuise, en un mot, me coûte au sens physique du terme. Sans doute avais-je envie de rendre un hommage à Lucille, de lui offrir un cercueil de papier, car de tous, il me semble que ce sont les plus beaux, et un destin de personnage. Mais je sais aussi qu'à travers l'écriture, je cherche l'origine de sa souffrance, comme s'il existait un moment précis où le noyau de sa personne eût été entamé d'une manière définitive et irréparable. Et je ne peux ignorer combien cette quête, non contente d'être difficile, est vaine. C'est à travers ce prisme que j'ai interrogé ses frères et sœurs, dont la douleur, pour certains, fut au moins aussi visible que celle de ma mère, que je les ai questionnés avec la même détermination, avide de détails, à l'affût en quelque sorte d'une cause objective qui m'échappe à mesure que je crois l'approcher. C'est ainsi que je les ai interrogés sans jamais poser cette question à laquelle ils ont pourtant répondu. Est-ce que la souffrance était déjà là ? Écrire sur sa famille est sans aucun doute le moyen le plus sûr de se fâcher avec elle. Les frères et sœurs de Lucille n'ont aucune envie de lire ce que je viens de retranscrire ni ce que je m'apprête éventuellement à en dire. Je le sens dans la tension qui entoure maintenant mon projet et la certitude que j'ai de les blesser me perturbe plus qu'aucune autre. Aujourd'hui, ils se demandent sans doute ce que je vais faire de ça, de quelle manière je vais l'aborder, jusqu'où je suis prête à aller. Dès lors que je tente de m'approcher de Lucille, je ne peux faire l'économie des relations qu'elle a eues avec son père, ou plutôt qu'il a eu avec elle. Je me dois au minimum de poser la question. Or, la question n'est pas indolore. Je tire à bout portant et je le sais. Un jour que je déjeune avec ma sœur, je lui raconte la terreur dans laquelle m'a plongée la lecture du très beau livre de Lionel Duroy, Le Chagrin, qui revient sur son enfance et raconte la manière radicale et sans appel dont ses frères et sœurs se sont éloignés de lui après la parution d'un autre roman écrit 15 ans plus tôt, où l'écrivain mettait déjà en scène ses parents et la fratrie dont il était issu. Aujourd'hui, encore, aucun d'entre eux ne lui adresse la parole. Il est le traître, le paria. La peur suffit-elle à se taire ? Devant un croque-monsieur, un peu impressionné, ma sœur m'assure de son inconditionnel soutien. « Il faut aller au bout, me dit-elle, ne rien laisser dans l'ombre. » Je repars, convaincue que le seul chemin possible au point où j'en suis, au point où nous en sommes, est celui qui passe par ce point. L'homme que j'aime et dont j'ai fini par croire qu'il m'aime aussi, s'inquiète de me voir perdre le sommeil à mesure que j'avance dans l'écriture. J'essaie de lui expliquer que c'est un phénomène normal, rien à voir avec le fait que je me sois égarée dans un exercice d'un genre nouveau, rien à voir avec le matériau que je manipule. Cela m'est arrivé pour d'autres livres de pure fiction. Je joue les fiers à bras, balaye les sollicitudes d'un revers de main. La peur suffit-elle à se taire ? ?
Thank you.